Est-ce que vous en avez marre des boîtiers gigantesques qui prennent toute la place sous ou sur votre bureau? Eh bien, ça tombe bien parce que aujourd'hui, malgré tous les composants qu'on a sur cette table, on va voir qu'on peut faire un PC aussi petit que ça. Et voir que ça peut être quand même assez puissant parce que ça reste une sacrée bécane et qui est donc tout aussi puissante que les grands gabarits. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, eh bien, en partenariat avec Xbox Game Pass pour PC, on va essayer de construire le PC le plus petit possible sans pour autant détruire les performances parce que ouais, d'accord. D'accord, ok, en soi j'aurais pu juste acheter un Raspberry Pi 0 sur Amazon et puis derrière faire voilà, le tour est joué, GG Wellplay, sauf que le truc, bah pour faire du vrai gaming avec un arrobase à la place du A, c'est quand même compliqué un petit Raspberry Pi. C'est pour ça qu'on va tout de même essayer de faire un vrai build pour pouvoir jouer à des vrais jeux vidéo et en une qualité ultra de la mort, etc. s'il vous plaît. Et le partenariat avec Xbox Game Pass pour PC tombe très très bien car ils viennent de sortir un tout nouveau jeu, Grounded, où on est aussi tout petit dedans. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé de relever ce petit challenge d'ailleurs pour cette vidéo. Ce jeu est d'ailleurs disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass pour PC, un service de jeux vidéo à la demande à 3,99€ par mois et qui permet d'accéder à une large bibliothèque de plus de 100 jeux Microsoft. Et ça même quand ils viennent à peine de sortir. Et donc bah, c'est le cas de Grounded, un jeu de coopération à la première personne où le but est de survivre à la faune locale. Mais là on parle pas de méchants tigres et d'effroyables rhinocéros, mais plutôt de coccinelles et autres insectes. Ouais, car en réalité cette faune sauvage, bon, c'est juste un jardin dans lequel vous avez été miniaturisé. Ouais, vous n'allez plus jamais voir les insectes qui écrasent votre chien de la même façon après ça. Bref, beaucoup de jeux sont disponibles là-dessus. Il y a même d'autres nouveautés qui arrivent avec les jeux qui arrivent en fait, comme le très attendu Flight Simulator et Halo Infinite. Et ça dès leur premier jour de sortie. Et si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus en description, juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, avant de pouvoir voir à quoi s'attendre avec ce jeu miniature, on va déjà monter le PC miniature qui va avec. Bon, vous avez vu qu'il est déjà monté, mais faites genre qu'il n'est pas encore monté, d'accord? Pour tout ça, on va devoir éviter les gros composants en triple ventilo, les cartes mères avec quadruple emplacement de stockage NVMe et les boîtiers aussi grands qu'une maison. Déjà pour ce dernier d'ailleurs, on a fouillé à mort pour trouver le plus petit boîtier possible capable d'accueillir une bonne carte graphique tout de même, et c'était pas évident. Après moult recherches, on est parti sur le Laser 3D LZ7, qui est littéralement un boîtier en kit. Ouais, c'est pas commun, l'avantage de ce boîtier c'est qu'il est vraiment minuscule avec aucune fioriture. Bon par contre, c'est la première fois que je monte un boîtier et j'espère que ce sera la dernière, car c'est pas le truc le plus fun à faire au monde. L'avantage au moins, c'est qu'il était totalement customisable. En même temps, à 300€, encore heureux. On a donc pu prendre une façade en bois massif, toujours pour rappeler le délire derrière Grounded. Et en tout cas, avec ça, on a une base vraiment petite, mais qui va tout de même nous permettre de faire des choses sympas. Niveau processeur, l'avantage, c'est que tous les processeurs font la même taille, et donc on va pouvoir partir sereinement sur un bon Ryzen 9 3900X des familles. Avec ça, on va clairement pas avoir souci de multitâche, vu que ce processeur à plus de 500 balles possède 12 cœurs physiques. La contrainte se trouve plutôt au niveau du refroidissement, mais pas de problème grâce à ce ventira de tout petit tout mini de chez Noctua qui devrait sans problème évacuer les 105 watts de TPD du 3900X. Pour y coller ce proco, on va devoir partir sur du mini ETX, la Gigabyte X570 Aorus Pro Wi-Fi, qui nous permettra aussi d'y coller deux barrettes de RAM qui vont donc être ici de 32 gigaoctets de RAM à 3600 MHz, ce qui est une bonne chose pour le Ryzen cette fréquence, mais surtout un SSD NVMe qui a l'avantage d'être extrêmement petit mais aussi extrêmement rapide, donc c'est tout bénef. Là on va devoir faire un maximum de compromis finalement, c'est sur la carte graphique, car en général ce sont des gros modèles ultra mastoc, et encore une fois je vous remontre la tronche de notre boîtier. Va forcément falloir partir sur un modèle d'une longueur max de 186 mm, et donc au mieux ce sera notre RTX 2060 qui en fait déjà 183 vu qu'au-dessus ce genre de taille n'existe visiblement pas, et je suis pas certain que couper une carte graphique en deux avec une disqueuse soit vraiment efficace, et non je ne testerai pas pour la science. Pour autant on ne va clairement pas être en reste niveau performance au vu de la puissance totale de la bête. Derrière, une petite alimentation de 600 watts en 80+ platinum au format SFX pour toujours avoir le plus petit possible, et on est paré pour avoir ce tout petit PC qui est possiblement plus puissant que la plupart des PC qui font 10 fois sa taille. Je vous l'avais dit qu'il n'y avait pas que la taille qui compte. Une fois tout ça monté et branché, reste plus qu'à y installer un petit Windows 10 des familles et à tester la bête. Matez-moi la taille de cet engin, et histoire de rendre le truc vraiment ridicule, et bien du coup on va le tester sur un écran de 65 pouces, parce que bah évidemment quand on a un petit PC comme ça qu'on veut des trucs le plus minuscule possible, on va prendre un écran gigantesque, ça me paraît logique. Bon, et faites pas gaffe au fond d'écran, hein, c'est le fond d'écran de base de Windows quand j'ai rajouté mon adresse mail directement, donc bah désolé pour ça. En tout cas d'ailleurs, bah, je suis pas le seul à avoir fait un build de ce style, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y en a plusieurs des créateurs qui ont fait des builds le plus minimaliste possible qui permet de faire du gaming, et tout ça bah, va se retrouver sur Twitter. Et donc bah, si vous aimez ce build en question que j'ai fait juste là, et eh bien vous pouvez voter directement donc sur Twitter dès demain, histoire de dire que c'est celui-là que vous préférez. Et donc maintenant qu'on a enfin accès au système, on va pouvoir tester
tester un peu tout ça avec des benchmarks comme 3D Mark par exemple, qui est la référence. Grâce à ce dernier, on voit qu'on est à peu près à 62% plus puissant que la plupart des ordinateurs de ce style niveau gaming, donc c'est pas trop mal encore une fois pour un ordinateur aussi petit. Mais maintenant qu'on a vu la théorie, eh bien passons à la pratique, et pour ça eh bien on va tester le jeu sur Grounded, vu que la vidéo est sponsorisée par Xbox Game Pass pour PC, et sans eux j'aurais pas pu mettre autant de thunes dans un build aussi petit, parce qu'on est quand même à plus de 2000€ là-dedans quand même, hein, je le rappelle. Bon, évidemment c'est pas parce qu'on va jouer du coup sur un écran de télé qu'on va jouer avec une manette, hein. On reste PC Master Race et du coup on reste quand même au clavier souris dans Mayo. Premier truc qu'on fait toujours quand on joue à des jeux sur PC, on va bien évidemment dans les options, hein, pour voir déjà ce qui nous a mis de bas sur ce jeu, parce que finalement c'est aussi ça qui nous intéresse. Alors comme on peut le voir, il nous a mis du coup en 3840x2160 en 4K, il nous a mis en qualité high. On va essayer de le mettre en épique, on va voir si c'est en épique, est-ce que ça galère ou pas. Ça n'a pas l'air du tout d'avoir de problème. Donc comme dans tous les jeux de survie, le but est de ramasser tout ce qu'on trouve par terre. Hop, dès qu'on trouve des trucs, tac tac tac, c'est parti, on ramasse des trucs. Bon alors j'espère pour eux qu'on n'est pas en plein été 2020, parce qu'à la première loupe c'est terminé, hein, vu les 90 000 degrés qu'il y a actuellement, qui font que je suis obligé de reprendre une douche toutes les 10 secondes et qui fait que je change de coupe à chaque plan. Continuons à nous balader. Alors du coup sur tutoriel il faut trouver de la nourriture et trouver un champignon et le manger. Ah bah tiens, le champignon, et du coup on va le manger. Ah, il faut que je vérifie ce qu'il y a dans cette fameuse machine mystérieuse. Bon, je suis pas certain que ça puisse réparer quoi que ce soit de faire ça, hein. Ah, je pouvais appuyer sur ce bouton pour l'allumer, très bien. Très bien, ok, il y a un laser qui fonctionne. Faut que je puisse faire en sorte que ce laser puisse toucher en enlevant la feuille. Et donc là, il faut que j'aille voir pourquoi ça marche pas. Bah, je vais aller voir pourquoi ça marche pas. Alors, il faut que je trouve comment faire une hache, en fait, ce serait bien. Est-ce que je peux faire une table de craft, un truc? J'ai déjà appris ça, je crois, dans d'autres jeux, mais... Ah, les crafts sont ici. Ah, et du coup, je peux me crafter une hache. Ah, bah, je suis à côté du truc qui clignote. Ah, bah, c'est à cause d'elle, là. Bam, les grosses mythes là. Je suis pas certain qu'aller jusque là-haut soit une bonne idée, ouais. Ouais. On va juste tout de suite redescendre. Heureusement que je vise au clavier souris, hein, parce que déjà que c'est pas glorieux, alors avec une manette, ça sera encore pire. Et alors du coup, c'est bon, le laser est plus bloqué, parce que c'est en fait à cause des mythes qui étaient en train de bouffer le câble, j'imagine. Ah, elle bouffe aussi le câble ici. Ah, bravo. Ouais, faut vraiment que je me crafte une petite lampe torche, parce que sinon, ça va être compliqué. Ou au pire, j'y vais YOLO, hein. On va le tenter en YOLO. Oh, au secours! C'est bon, vite, je m'en vais. Au secours, pas besoin de lumière. Et oui, je vois tout dans le noir. Ta-ta-ta, je m'enfuis. Et du coup, j'ai toujours ma hache de fonctionnel, et donc je vais pouvoir réparer l'engin. Et on est bon. Bam! Incroyable. Je peux l'activer. Et du coup, on voit vraiment à quel point on est tout minuscule. Oula, je suis pas certain que ça fasse du bien, ça. En tout cas, on a pu voir une bonne partie déjà un peu du jeu, qui ma foi a l'air fort sympathique. Alors très survie, craft, etc. Bien sûr. Les fameuses grosses coccinelles. Attendez, je vais monter à d'autres coccinelles. Ben voilà, incroyable. Mais ouais, en tout cas, ben voilà. En tout cas, ce que donne Grounded sur ce petit PC. Mais on va aller à la conclusion de cette vidéo après tout ça. En conclusion, ce petit PC des potes, vu qu'on a une bonne machine, même si le jeu peut tout de même tourner et bien sur des configurations bien plus modestes. Alors oui, la carte graphique est finalement le composant le moins puissant ici, il est vrai. Et du coup, tout vient de tomber, ce qui est cocasse dans un build de gaming. Mais c'était soit ça, soit rendre l'ordinateur pas mal plus grand. Peut-être qu'un jour, on aura d'autres cartes graphiques plus puissantes en mini-format, comme cette RTX 2060, qui va plutôt bien, je pense, mais actuellement c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et ce build qu'on a là à cette taille là est finalement presque parfait. On aurait peut-être pu mettre des barrettes de 32 gigaoctets de RAM chacune, ou un Ryzen 9 3950X, mais là pour du gaming c'est vraiment du chipotage, vu qu'on se fait déjà un petit peu bottleneck par la carte graphique. Donc ce 39X est déjà très très bien. Bon, l'autre, je voulais le lancer, lui c'était pas forcément l'envie. Parce que ouais, il n'y a pas trop d'intérêt à jeter plus d'argent par la fenêtre, vu qu'encore une fois c'est pour du gaming. N'empêche qu'il y a quand même moyen de jouer à la plupart des jeux en bonne qualité, et ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi de se le trimballer partout ultra facilement au vu de sa taille et de son poids. Faudra juste faire gaffe à pas le ranger n'importe où, au risque de le perdre sans faire exprès, vu qu'il est quand même assez petit. Donc c'est quand même un petit peu dangereux. Bref, est-ce que vous avez d'autres idées de build un peu rigolo comme celui-ci? Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous, car pour le coup la seule limite est l'imagination ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux de l'internet qui se trouvent tous en description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui disent que les builds de PC gaming sont forcément des trucs gigantesques avec des boîtiers de 4 mètres de haut. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !